Bischof. Et on est reparti. Alors attendez, je vérifie juste. Donc dans tous les cas j'avais raison, on pouvait pas y accéder depuis l'autre côté de la route. Hein. Et cette clé elle me sert à... C'est pour le jet ski, je crois. Hein. Mais il me manque toujours un ski. Bon. C'est le truc qui me manque. J'aurais bien envie de prendre la piste de l'autre là qui a disparu. Franchement ce jeu ça part vraiment dans tous les sens. On a vraiment... entre le docteur qui est malsain, le mec qui est parano, enfin... Le mec qui a des envies de meurtre, enfin c'est ouf. Clairement pour le moment c'est ouf. Je peux pas avancer, j'ai un mur invisible. Ok. J'ai un mur invisible ici. Donc je peux pas avancer. Chargement, je reviens dans la zone. Voilà. Donc tout ce qui me manque c'est ce de ski. Et je dois récupérer un truc également dans un seau. Et je sais pas comment faire. Donc je vais recouper. Attendez, je vais. Hop. Parce que de toute façon là tout ce qui me manque, c'est le second ski. Oh. 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 Ok. Laisse-moi deviner, il est dans le coin. Carl ne savait pas trop comment recevoir un tel message. À vue de nez, il lui semblait que ça faisait une moitié de trop. Ça suffisait à ne pas prendre ce témoignage pour argent comptant. Cette histoire de punition pour un meurtre commis par Hamilton était un peu farfelue. Carl doutait. On va dire ça. Dans les bois, en ce jour solennel du 6 octobre 1970, j'ai aperçu ce que l'être humain ne devait jamais apercevoir. Les extraterrestres sont arrivés, ils arpentent nos forêts, ils vont nous envahir depuis le nord jusqu'au soleil du Mexique. Ils ne feront pas de quartier, ils sont immenses, grands comme deux hommes, ils sont à moitié homme, à moitié caribou, à moitié loup, c'est n'importe quoi. Pas de doute que mon regard a transgressé une règle importante dans leur code militaire. Ils vont venir me chercher, ils vont laisser ce...
Si vous lisez ceci, il est trop tard. Je suis déjà soumis à leur expérience dans un laboratoire de la planète Elohim. Oh non, pas les Elohim! Oh non, pitié! Putain, le mec, c'est un raélien, quoi. Il me... Putain, je savais pas que Raël était connu au Québec. Ils me punissent pour... Mais on se sent d'ici. Ça n'existait pas, le mouvement raélien. Les Elohim, c'est... On est d'accord que les Elohim, c'est un... Ça a été inventé par Raël. On est bien d'accord là-dessus. Il y a un anachronisme là-dessus, là. Bon, enfin bref. Ou alors, j'y comprends rien. En même temps, les sectes... j'y comprends déjà rien aux religions normales. Alors, pour les sectes, vous m'oubliez. Hein. Ils me punissent pour le meurtre duquel j'ai assisté hier sans réagir, le meurtre perpétré par William Hamilton. Adieu. Bon. Ça me dit pas où t'as planqué ton putain de second ski. Ok, donc, désolé pour cette coupure un peu rapide, désolé, ça faisait très longtemps, mais j'ai saturé mon disque dur. Voilà, donc ça faisait très longtemps, hein, vous savez, j'avais changé de disque dur, j'avais pris un disque dur justement exprès, pour plus que ça arrive, mais j'ai tourné tellement longtemps que ben je l'ai saturé. Donc bon, ben, j'ai dû reconvertir hein, les parties que j'avais tournées. Et voilà, on est reparti pour 4 heures trop 4 heures d'enregistrement sans problème. Donc troisième session de tournage, hein, donc là depuis la coupure dernière que vous avez eue, bah, une nuit s'est écoulée pour moi. Voilà. Et vous voyez que je ne suis plus du tout au même endroit. Enfin plus du tout au même endroit. Je ne suis plus chez le mécano fou. Je suis de retour chez Reagan. Alors oui, c'est pas Régent, c'est Reagan. Après ça me semble logique avec son super 45 tours de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, tout ça. Alors, résumé de la situation, il me manque principalement trois choses. Enfin, là pour débloquer pour débloquer le tout, il me manque trois choses. Premièrement, il me manque le ski du mécano fou pour compléter son motoneige. Il me manque la quatrième victime des glaces. Et il me manque la recette pour faire le caribou et ensuite pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu mieux. D'ailleurs, j'ai déjà débloqué un des éléments qu'il faut. Ah oui, bah oui. Mais donc il me faut la recette apparemment du caribou. Et je l'ai ici. Carl savait maintenant comment abreuver le vieil ivrogne. Voilà, donc on va lire ça. Alors, recette traditionnelle du caribou. Whisky blanc, maison, c'est pas de longan. Vin chéri, faut que ça goûte un peu un peu le tori. Faut que ça goûte un peu le tori. Voilà. Des épices au goût, mais pas trop, c'est pas un ragoût. Voilà, bon, il y a... petite blagounette là-dessus. Donc normalement voilà, donc il me manque encore quelque chose. Donc il faut que je regarde juste quel élément j'ai. Oui, c'est I pour l'inventaire. Je vais y arriver. Consommable. Pas dans consommable. Inventaire. Donc là actuellement j'ai une bouteille vide. Et j'ai la clé. Ah oui, alors j'ai la clé du motoneige évidemment. Et la clé de cabane de forêt.
C'est vrai que j'ai pas trouvé cette fameuse cabane. Attendez, s'il me faut juste deux bouteilles vides. Non, 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 l'autre, c'est une bouteille d'alcool. C'est une bouteille d'alcool qu'il me faut. Et ça m'étonnerait que je la trouve ici. Ou alors ça a débloqué et je peux la trouver ici. Alors, je vais juste sortir. Et je sais. Alors, le jeu, honnêtement, pour le moment, il est génial. Il est beau, il est tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'en vidéo, il rend mal. Et je suis désolé, ça vient de Fraps, hein, ça. Le jeu a pas été optimisé. En fait, le truc, c'est Satané Brouillard. Le Satané Brouillard, en fait, il n'arrive pas à être capturé correctement par Fraps. Et ça casse tout. Et je suis sincèrement désolé pour ça. Parce que, clairement, même le brouillard est bien fait, mais il est mal capturé. Et ça me fait chier. Et je peux rien faire. Je peux rien faire contre ça, j'en suis navré. Après, ouais non, c'est pas de la bière de toute façon qu'il faut, c'est autre chose. Donc. Donc voilà, voilà ce qu'il me faut, il me faut une bouteille d'alcool et le ski manquant et trouver la quatrième victime des neiges. On va tenter un truc. On va retourner voir le vieil ivrogne là, j'ai plus son nom. Si Karl espérait un jour mettre la main sur du caribou, il ne pouvait espérer mieux qu'une telle distillerie. Oula. Faut pas rouler trop vite, hein, parce que sinon, on se retrouve très rapidement en retard. Ouais, je suis pas encore. Alors, ah, attendez. C'est pas verrouillé ça? Non, ça c'est verrouillé. Allez, je fais le tour juste rapidement pour voir si. Parler mais tu m'amènes un bon galon de caribou puis on devient amis. Sinon, mon tigre, tu sors avant que je te sorte. Alors, attendez, je regarde juste les éléments qu'il a là. Oyez, 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 il y a un petit gars écarté dans ma maison. Touche pas à ça, là. Attention, je fais attention à rien prendre, mais.
17 que c'était. Et le caisseux, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Et bang bang que je lui disais, bang bang bang. Ah, bon putain. Bouteille vide. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Oh putain. Cherche voir s'il n'y a pas le fameux... Tu marches, tu marches, tu marches, tu sens des pieds. C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment en bobette. Une bonne pelisse, ça te ferait pas de tort. Mais je vais te dire une chose, dans ton coin de pays comme par ici, on n'a rien sans rien. Et où, mon caribou? Bon. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, où est-ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. On entend mal ce qu'il dit, mais à mon avis, c'est fait un peu exprès. Hein, mais bon. Il y avait une bouteille vide. Alors, attendez. Je me dis... Tu m'amènes un bon galon de caribou, puis on devient amis. Sinon, mon petit gars, tu sors avant que je te sorte. Bon. Il a pas l'air de gueuler parce que j'ai pris une bouteille vide. Cadeau, ça ouvre la pantie. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets tant que tu rapportes du caribou. Ok. C'est sa clé de cabanon, elle était là. Et il m'autorise à la prendre. J'ai pas vu qu'il y avait une poubelle. Ah si, si, je l'ai ouvert la poubelle. Oula, la branche là, elle est vénère. Alors. Une scie assez longue pour couper le plus gros des arbres. Ouais, bon. Y'a que dalle. Ce troll. Y'a rien. Y'a vraiment que dalle ici, quoi. Le seul truc intéressant, c'est les vêtements chauds. Possible. Oh l'arnaque. Cette arnaque. Bon. Je vais quand même les environs. Jamais. Il y avait tant de richesses pour le corps et l'esprit dans cette modeste cabane. Carl ne pouvait pas partir bredouille. Non, il n'y a que dalle dans cette cabane. Arrête tes conneries. Bon. Emmerdé. Donc. Ça va être relou parce que je suis réellement coincé. C'est pas que je ne sais pas ce qu'il me faut, c'est que je ne trouve pas ce qu'il me faut. En plus. Je voulais retourner voir chez le médecin, savoir si
de l'alcool. Je me dis dans un cabinet, dans une clinique, pour calmer la douleur, ça peut toujours être pratique, je l'ai passé. Bon. En tout cas, ça faisait bien longtemps que je voulais un jeu de ce genre. Clairement, un jeu où... Je me souviens qu'un des premiers jeux auxquels j'avais joué sous Windows 98, c'était un jeu d'enquête, justement. Mais c'était en mode un petit peu, c'était du 80, c'était du Windows 98, hein, c'était genre en mode limite diaporama. Ok, alors, je me souviens plus, ici, il n'y a pas de lumière ici. Hein. Non. Très sombre comme clinique. Alors, maintenant que je sais ce que je cherche, je vais peut-être trouver de l'alcool. On reconnaissait les blessés à cette époque par les grandes taches de rouge, ce petit nom familier du merbromine. Ça maculait les blessures. Qu'est-ce que c'est? C'est bien des bouteilles d'alcool, ça, non? Enfin, c'est des bouteilles de vin. Bon. L'aspirine. J'étais passé à côté de ça. Balle. Attendez une minute. Quand la serrure n'est pas suffisante. Il y a quelque chose derrière cette porte? Ah, c'est cloué. Ok. Ah oui, oui, c'est la porte d'à côté qui dit, ouais... Alors, on va aller explorer l'extérieur. Il doit forcément y avoir quelque chose que j'ai raté. Ok. En effet, il y a des choses que j'ai ratées. Bon, une pince, c'est sympa, j'en ai déjà. Ici, c'est des pots. Alors, faut que je fasse attention de ne pas tomber à l'eau. J'ai vu que quand on tombe à l'eau, notre température tombe assez vite. Ce qui est logique, hein.
Waouh, par contre. Alors, c'est blanc, mais c'est magnifique. Clairement, waouh, ce petit panton là, ça me fait penser à un fond d'écran qui était mis dans les. Attendez, hop, je vais mettre comme ça. Voilà, ça me fait penser cette vue-là. Ça me fait penser à un fond d'écran qu'il y avait sous Ubuntu pendant un temps. Je sais pas si encore dans les fonds d'écran par défaut. Il y a un ponton comme ça qui se perd en fait dans le brouillard en mer. C'était un super fond d'écran, je l'avais mis pendant un temps. Je le trouvais assez beau ce fond d'écran là. Bref. Petite anecdote geek. Que dalle. Non, là il y a des déchets. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Je suis coincé. Donc frustré. Bizarre ce caillou là en plein milieu, on dirait qu'il a écrasé. Non, c'est parce que je voulais voir la bouteille. Mais... Bon, je me réchauffe et je me tire. Je suis vert. Clairement, je suis vert. Donc, on va faire une pause. Enfin, comment? Je vais pas faire une pause. Je viens de reprendre le tournage. Mais je vais couper le temps de débloquer la situation. Parce que là, je tourne en rond et je sais pas où trouver les éléments qui me manquent. Donc, à tout de suite. Bon, juste, voilà, petite internet. Donc, je suis au magasin général. Hop, il y a juste deux, trois éléments. J'essaie de voir s'il n'y a pas de l'alcool ici. Mais apparemment, non. Donc je suis encore une fois dégoûté. Hein? Je l'ai de quoi faire son putain de caribou. Oh merde. Allez, on est reparti. Bon, on y est. Bah oui, le fameux escalier là, comment? La première fois que j'avais touché, il avait coulissé. Alors je m'attendais à ce que si je le retouche, il recoulisse dans l'autre sens. Je m'attendais pas à pouvoir monter dessus. Bon. Voilà, le caribou, je l'ai. On va retourner voir le vieux.
Il va nous donner la vieille combinaison et on va pouvoir aller visiter la fameuse grotte. Carl sentait sa mission accomplie, le démoniaque nectar sous le bras. C'est tout de suite après, c'est le portail qui est là. Oh, j'ai encore percuté sa barrière. Chaque fois je me la prends sa barrière. Heureusement que notre véhicule n'a pas une barre de vie. Allez mec. Oh, quand on cherche, on trouve. Parce que je t'aime bien, Aster, je vais te dire quelque chose. Tu fais bien de prendre ma délice. Parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Le froid qui glace comme t'en as jamais connu dans ta vie. Ben merci copain. Ok. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans cette... L'avantage, c'est que je pense que je peux résister au froid beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que je vais pouvoir explorer plus longtemps dans le froid. Ah ouais, j'ai même des gants et tout. Bah oui, attends. La santé, c'est tout ce qui compte, disait l'adage. Et le manteau du père la lui garantissait. Car elle sentait toutefois qu'un précieux savoir lui échappait en quittant cet endroit. Oh, il manquerait quelque chose ici. Alors que je dis pas de bêtises. Je pars dans le mauvais sens. Je pars dans le mauvais sens. Je répète, je pars dans le mauvais sens. Voilà. Normalement, donc là, c'est pareil. Ça peut être plus loin. Non, la voiture refuse d'y aller, je vais devoir y aller à pied. Oula. Bon. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'espère que les loups vont pas surgir pour me faire peur. Le manteau, par bonheur, protégerait Carl des dents glaciales. Alors, truc que je ne ferai jamais en vrai, hein. Qu'on soit bien clair, hein. Je rentre jamais dans une grotte comme ça tout seul, hein.
par à droite. Pourquoi? Parce que j'aurais trop peur de tomber nez à nez avec un ours. Ça va arriver. C'est trop cliché, ça va arriver. Ok. Les matériaux manquaient pour que s'élèvent les flammes. Bon, je vais prendre au moins deux bûches. Quel con, bien sûr. Ah, ou alors, s'il y en a dehors, juste là dehors, j'aurais pas besoin de retourner à la bagnole. Ok, je retourne à la bagnole et on repart à l'exploration. Je prends deux bûches, je coupe juste le temps d'aller-retour. Oh, quoique, il y en a pour deux minutes. Je vais en prendre qu'un. Faut que je me décharge. Marteau. C'est vide. La cigarette. Je prends quand même. Quoi, c'est à la hache? Non, j'ai besoin de me protéger. Les munitions du pistolet, j'ai pas le pistolet sur moi donc ça me sert à rien. Les aspirines, une seule me suffira. Sans vide ne servira à rien. Voilà. Je me suis rempli et je sais de toute façon que j'en utilisais un. Donc j'ai la place dans mon inventaire. Pour récupérer ce qu'il peut y avoir là-dedans. Mais je pense que ce qu'il y a là-dedans, c'est la dernière victime des glaces. Qu'il me faut. Et je suis presque sûr que c'est Regan. Ou alors... Ouah, non, ça m'étonnerait que la motoneige se soit aventurée là-dedans et ait perdu son ski. Je regardais juste l'état de ma température. Je suis parti du mauvais côté, mais... Des matériaux. Je suis parti du mauvais côté cette fois-ci. Mais c'est bon. Je retombe sur mes pieds. Ok. Bon. Je remonte ma température, mon moral. Et on continue. Excusez-moi. Excusez-moi, éternuement. Voilà, donc... Ouah, ça dégage les sinus.
Alors là, je stresse, il y a un loup qui recule. Sauf qu'il a l'air d'être tombé. Qu'on a trouvé notre dernier. Encore une fois, la glace magique avait frappé. Que faisait-il, celui-là, ainsi terrorisé sur le sol? Le mystère s'épaississait comme la glace. Alors, j'ai juste fouillé les alentours avant. N'empêche, on avance. Le froid envahit Karl. C'était comme s'il s'évanouissait. Il tomba dans une sorte de rêve. Il fuyait alors avec grand peur une chose qui s'approchait, contre laquelle il ne pouvait rien, pour finir ainsi terrorisé et gelé. Ok, il y a des fusils. Ouh. Je peux pas passer par là? Non. Ok. Non, j'ai bien lu Régent. J'étais prêt à prendre les armes et à pourfendre des gens comme Hamilton. Avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution? Qui donc avait été tué devant ses yeux? Donc, j'ai parlé un plein moment qu'il disait, donc c'est bien Régent, c'est pas Reagan. Je sais pas pourquoi, en y réfléchissant le soir, je me suis dit, non, ça doit se prononcer Reagan, c'est un G. En fait, non, c'est bien un J, donc c'est Régent. C'est bizarre comme nom. Le vieux Rosser m'avait dit qu'on se faisait carrier par l'administration de la mine. Ah, charrier, pardon, charrier, oui, bien sûr. De la mine. Que les mines d'avant la guerre n'étaient ni effondrées ni inaccessibles. Eh bien, comme d'habitude, le vieux Rosser avait raison. Les Anglais nous mettent tous des. Tous les hosties. Nous mettent tous les hosties du jour que le bon Dieu amène, parce que pour eux, on est juste des esclaves, des porteurs d'eau, des nègres blancs, comme le dit Valérie. Non, comme le dit Valière, pardon. Bon, là, j'y arrivais. On va voir c'est qui les esclaves à la fin de l'année. Dans ces mines-là, je vais ériger le centre de mon gouvernement, le gouvernement de la résistance. Watchez-vous le gros bonnet
Je m'en vais vous mettre des baïonnettes au canon. Ok. Donc là, ça parle un petit peu québécois. Hein. 14 août 70. La région a de la ressource, nous disent les Anglais. Alors attendez, parce que... Ah, on tourne un week-end et... Il y a quelqu'un avec un souffleur de feuilles qui fait chier. Alors... Ou c'est une tondeuse, j'en sais rien, c'est un peu loin, mais on doit l'entendre. Les ressources qu'ils oublient, ce sont nos vieux. Attendez, attendez, excusez-moi. Voilà, sa fourmille de petits vieux par ici, qui en ont de la ressource. Le vieux resserre contre une cargaison quotidienne de caribous. Il m'a mis en contact avec ce que notre beau pays a de meilleur. Les vétérans des vieux chasseurs, l'âme de nos terres, je vous le dis, ce monde-là possède des carabines et des Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Des carabines et des carabines dans les caches disséminées partout sur le territoire. Ils acceptent de m'en fournir sans trop me poser de questions. Je leur ai quand même dit qu'une grosse chasse aux gros rats gras se préparait. Je leur ai dit aussi le but, c'était qu'il n'y en ait plus. Qu'il n'y en ait plus un sacrement jusqu'à la rivière Outaouais. Des Outaouais. Ok, alors, attendez, juste. Faut que je me réchauffe. Impérativement, faut que je me réchauffe. Est-ce que je peux. Ouais, je peux faire un feu. Ok. Et on va continuer notre lecture. Allez, je fouille l'endroit. Ok, on a... Hey. Ouais. Ok. J'allais dire, elles sont classe, ces carabines. J'ai des missions. Pourquoi dormir chez soi quand on peut dormir dans une caverne? C'est bien beau tout ça. Okay. Ah d'accord. Le cuivre c'était pour... D'accord. Le cuivre c'était pour alimenter la caverne en... Je sais pas, en huile pour les lanternes. Ouais, bon, ok. Il semble avoir fait quelques modifications. Non, alors ça j'en avais pas besoin, mais. Ah, je suis en train de me surcharger rien. Je suis en train de me surcharger rien. Je l'ai où? Ben non, 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 oui. Bah si, je l'ai où? Ben je revisualiserai la vidéo parce que j'ai pas vu. J'ai pas vu où je l'ai eu. Dans le... C'était dans les caisses là-bas et je l'ai pas vu. Ok. Donc,
rester au chaud et on va continuer notre lecture. Document. Donc, logiquement, c'est. Voilà, c'est celle-là. Chiant, c'est un peu désynchronisé le. Ok, donc cette page-là on l'a lu. Ok, 1er septembre 1970. Et ça resserre un peu le truc. Je pense qu'on est en 71. Ou alors on doit être en décembre 70. On doit être en décembre 70 ou janvier 71. Vous voyez un peu? Parce qu'on est en plein hiver. Je pense qu'on doit être à cette date-là. Et tous les textes que l'on a ne dépassent pas l'année 70. Alors je me dis, on doit être... voilà, tous ces événements-là, ça a eu lieu il y a un mois ou il y a quelques jours. Quoique non, parce que le véhicule qui a percuté le poteau, c'était très récent. C'était arrivé il y a quelques heures. Donc on doit être en décembre 70. Et tout se resserre sur la période où on est. Hein. Alors, 1er septembre 1970. C'est mieux que je pensais, les armes, ce ne sont pas des vieilles patentes de la Grande Guerre. Il y a de la carabine moderne, semi-automatique, et aussi de la belle dynamite, volée sur les chantiers de la mine un peu après la fermeture. Il me manque juste une miliste pour porter ces fusils-là, et terrasser les Anglais hors de nos terres. Je me demande pour qui les sauvages vont prendre. Alors sauvage avec S majuscule, ça doit être un nom. Hein. Je me demande pour qui les sauvages vont prendre. J'ai bon espoir qu'ils nous appuient. Pousser du monde hors de leur... Attendez. Pousser du monde hors de leur terre, c'est une question de principe pour eux autres. 4 septembre 1970. Thoriot que Gilles n'a pas. Bon, ces citations, hein, je veux pas me faire engueuler par YouTube parce que je dis un mot vulgaire, hein. De toute façon, je vais pas être content à le rendre. Alors, Thoriot de Gilles n'a pas de couilles. Il se savait avant de lui parler de mon projet. Mais là, c'est insultant d'être émasculé. De même, il me dit avec sa voix de mauviette qu'il a de quoi faire chanter le roi des Anglais, le gros Hamilton. Je me demande à quoi ça sert de faire chanter Hamilton si on a les moyens de lui faire exploser la tête. J'aurais plus de chance en allant voir sa femme, la belle Gisèle. Attends, excusez-moi. Elle a du bon sang, cette femme-là. Elle saurait tenir une carabine. Et puis, tout le monde sait ça. C'est elle qui porte les culottes dans le couple. Ok, d'accord. 18 septembre 1970. Lamotte, lui aussi, a lâché. Gros frileux. D'un autre côté, la famille Lamotte, c'est pas sérieux de... C'est pas sérieux, ce monde-là. Il leur manque des boulons. On ne fait pas la révolution avec des fêlés. 24 septembre 1970. Pierre, toi, t'aurais été de mon côté. T'aurais été un lieutenant dans mon armée. Repose en paix. Bouffé par les loups quand même. Ce n'est pas comique comme manière de casser sa pipe. Encore que certains disent au village qu'à force de décimer des meutes de loups avec ton braconnage... Ils n'ont eu que justice, les pauvres bêtes. Il y aura un monument à ton nom dans mon nouveau Québec. Septembre 1970. Va falloir que je délivre la région de Manastan tout seul. Alexandre Blé, il n'a pas aimé que je la patte en vantant les mérites de son frère. Depuis que Pierre a été retrouvé, le bonhomme n'est plus le même. Il ronge du noir. Je lui ai parlé des pipif paf. Je lui ai parlé et pipif paf.
Il a mis son poing dans le miroir comme un gros jambon. Puis à part ça, il s'est mis à saigner comme un porc. Je le dis, je vais délivrer mon pays sans ces cœurs tendres. Ils me remercieront plus tard. 2 octobre 1970, c'est horrible ce qui est arrivé hier soir. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir comme ça, tout près de moi. J'en ai eu mal au cœur. Tout ce sang, je me demande si la révolution s'est fait pour moi finalement. Et ouais. Ah, c'est fini. Comme quoi il traite tout le monde de dégonflé. Et puis ben quand ouais. Quand ça arrive autour de lui, eh ben il fait plus le malin. Bon, je fais le tour. Je retournerai pas ici alors. De l'alcool de contrebande. Bah prends-en pour l'autre caribou là. Qui veut du caribou là. Bon allez. Est-ce que je peux. Non. Je peux pas sauter là. Donc là il va falloir que je retrouve mon chemin. C'est ici? Non. Je sais ce qu'il faut. C'est pas ça. Je pensais qu'il fallait que je fasse péter le mur, mais c'est bête, je suis passé en rêve. Mais pas là en. Comment je sors d'ici? Attendez. Ah, ok.